Vlogmas, on est aujourd'hui dimanche 10 décembre. 10 décembre, tu te rends compte, rappel ? Oui. Dans 15 jours, c'est vrai. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs, dames. Tu fais quoi ? Je suis un peu triste sur mon bureau là. C'est bordel. Je peux enlever la brochure pour la Xbox One. Oui, c'est bon, tu peux l'enlever. Donc je vous retrouve pas du tout de bonne heure, il est midi 49, mais ce matin j'ai fait pas mal de montage vidéo, je suis encore en train de monter les vidéos. Et en plus on a eu la marraine de Timmy qui est passée, lui a amené son cadeau d'anniversaire, il est du 25 novembre. Mais voilà, ils n'avaient pas à côté, donc là ils étaient en passage sur le Mans. Et donc du coup, ben voilà. On va aller voir les enfants, voir ce qu'ils font, parce que je ne sais pas, mais j'entends du bruit. Donc si j'entends du bruit, c'est que c'est pas pour rien. On voit ça tout de suite. Monsieur Tim, il fait quoi? Un train Lego. Là, j'ai sur le wagon. T'as eu quoi? À ton anniversaire? J'ai eu un bac de Lego. Il a eu ce gros baril de Lego. Enzo, il a le même, mais avec le rouge. Voilà, et Timmy, à chaque fois, il le voulait. Donc, sa marraine lui a acheté. Et là, il est en train de construire un train. Et là, c'est le wagon, j'ai pas fini. C'est cool, hein? Vous entendez la musique derrière? Alors, j'espère que ça a pas... Forza 2. Et voilà mon grand joueur Forza. Miss Cassie, elle est en bas, elle. On va ouvrir les calendriers, les petits. Ouais. Ouais, c'est super cool, maman, merci. Hop, mais il est peut-être temps, midi 49. Depuis tout à l'heure, il me dit maman, est-ce qu'on peut. On change de lumière, là, vous voyez. Miss Cassie, tu fais quoi? Je fais du slime, je joue au slime. Voilà, elle est en train de jouer à son slime, la bave de licorne, non, la morte de nez. Morte de licorne. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien juste ici. Et on va ouvrir tout de suite les calendriers de l'avant. Ah, vas-y, Timmy, tu commences. C'est le petit œuf en chocolat. Enzo, il est toujours en dernier, lui. Hein. Ah, bah, avant, il est en premier. Je suis sûre que c'est le petit œuf en chocolat. Ah, bah, celui-là. Bah, ça se voit, c'est les plus petits œufs. Petit œuf pour Kinder, pour Enzo, pour Timéo. Oh, pour Kinder, pour Enzo, pour Timéo, je vais y arriver. Cassie. Oh, c'est une barrette. Ah, t'avais pas eu de barrette encore? Non, une barrette bonhomme de neige. Attends, je sais pas. Ah, elle est belle. C'est la tête de neige qui est là. C'est la tête de bonhomme de neige. Regardez, elle est mignonne. Voilà. C'est la même tête. On est le combien? On est le 10. 10. Oui, on est le 10. Oui. L'avion pompier. Oh, trop ouais. Oh 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 oh. Il va faire tomber ma. Fais attention de ne pas prendre les pieds dans la. Dans la console. On remarque mon magnifique saut hein, à laver le sol derrière. Mais bon, c'est ça. 1, 2, 3. Vous vous en sortez? Oui, avant j'en avais eu un. C'est des sifflets bonbons. Mais oui, avant j'en avais eu un. Il était, c'était le même. Il marche? Il fonctionne du moins? Normalement c'est que. Et t'as eu quoi avec? Un sifflet et puis? Un sucre d'orge. Un sucre d'orge. Et moi je vais ouvrir le mien. Donc j'ai déjà fait brûler. Vous voyez là-bas, elle brûle en haut du meuble. Celle du numéro, je sais plus combien. Celle du numéro 4 qui brûle ce matin. Et là, on est le 10. Bah, ah si, ça s'ouvre dans l'autre sens. Et là, on a le V0. 4275. J'essaie de vous mettre le nom à chaque fois parce que du coup, j'ai réussi à trouver sur les catalogues. Et je vais voir comment elle sent. Elle sent très très bon. Je sais pas ce qu'elle sent, mais ça sent super bon. Voilà, encore une petite, un petit chauffe-plat. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'on va faire. On va peut-être bouger quand même. Je pense en fin de journée, on va aller chez le frère de Raphaël pour, parce qu'on a envie d'aller voir le frère Raph. Et bon là, ça va, il est tout juste une heure. Moi, je vais finir de monter mes vidéos. Raph va sûrement en filmer une. C'est pas bon? Non, mais c'est acide en fait. La tête qu'elle a fait. Ça marche pas? Non. Bah non. Mais il a l'envers ton truc. Ah non. Mais il faut siffler dans le trou là. Ça marche pas. Comment? Avant ça marchait.
Bon, j'ai du fail aux essuie-glaces. Y'a rien, y'a pas de bruit. C'est bizarre. Bon, c'est des sifflets qui marchent pas. Donc voilà, aujourd'hui je sais pas trop ce qu'on va faire, mais peu importe, je vous emmène avec vous. Bon, bah Cassie s'amuse avec Timéo. Et regardez ce qu'elle a fait. Donc elle s'est aidée d'une vidéo YouTube, c'est ça? Ouais. C'est un grille-pain. Donc là vous avez les tartines de pain quand elles sont pas cuites. Et les tartines de pain une fois cuites. Et en gros, donc vous mettez votre petite tartine. Attendez, est-ce que si je regarde le retour caméra. Ah, pourquoi il y en a un qui s'enfonce pas? Et normal, c'est parce qu'il y en avait un plus grand que lui. Parce qu'il gonfle quand il est cuit. Ah, donc là, on les met, voilà, ils sont pas cuits. Après, on triche, hop, on les enlève. Parce que, bah oui, ils gonflent apparemment quand ils sont cuits, Cassie dit. Et, vas-y, Cassie, regardez. Hop, regardez, il y a même le petit système de levier pour lever les tartines de pain. C'est fou, ça. C'est avec mes Lego. Un grille-pain, quoi. C'est avec mes Lego que j'ai eu à mon ami. Tout est normal. Et je vais faire un perroquet. Ma fille fait des grille-pains. Ouais, elle va faire un perroquet avec mes Lego. Ok, bah on va voir ça. Bon, ils y arrivent? Hein? Ils y arrivent? Ouais. Ouais. On vient de l'éteindre. Moi, j'arrive à faire des cours. Hein? Il faut qu'ils apprennent à... T'arrives à faire des cours, ça te plaît? Oui. Tu préfères Forza ou Dragon Ball? Dragon Ball. Dragon? Oui, c'est pas grave. Mais tu as dit que t'avais fait un moulin là, tu me l'as montré ou quoi? Il est où le moulin? Je l'ai fait. Bonjour petit chien. Attends, maman, t'as détruit. Oh, mince, je voulais pas. Non, c'est pas détruit. Bon, faites voir. Il y a un crocodile. Non, mets-le sur le tapis parce que je vais pas réussir crocodile. À voir. Crocodile. Tu le train. Le grille-pain, c'est ça? Le moulin, il est bien fait. Le train. Le grille-pain. La voiture jaune. La voiture jaune, le petit crocodile. Et ça, c'est moi qui les a fait. Il est là. Hein, le regardez, il a même fait un moulin. Les deux fleurs. Moi, la fleur rouge et la fleur violette. Génial. Nappé. Donc Cassie, regardez. Elle a la tablette. Et tu fais quoi? Un canapé là. D'accord. Mais là tu vas arrêter parce qu'on va aller chez tonton. Ouais, je sais, tu m'as déjà dit, c'est ils arrêtent là. Ça les gars. Bonjour petite mouif. Non, arrête. Maman, je peux. Un bisou. Maman, je peux emmener ma voiture. Oui, si tu veux, mais faut que tu mettes un pull. Oui, mais le nouveau pull, là, tu sais pas où il est. Papa, il joue à la console, c'est pour les enfants. Hein. C'est la mienne à la base. Hein? Regardez, j'ai redécoré mon map de salle. J'ai bien travaillé. Hein. Je suis pas chier. Et en plus, Jérôme, il a dit, c'est un truc qu'elle aurait pu faire. Mais c'est pas moi qui l'a fait chez ma belle-sœur. C'est beau, hein, regardez. Mais on se croirait presque chez moi. Regardez. Il y a les éclairages, la caméra, tout ça, Madame au fourneau et le bon gâteau que Monsieur l'a fait. Voilà. Donc si vous savez pas, dans la famille, on aime tous YouTube. Parce qu'ils ont une chaîne. C'est quoi le nom de ta chaîne déjà? Gourmandise et plaisir. Gourmandise et plaisir, je vais mettre en partie plus d'informations. Et c'est une chaîne uniquement de recettes, de cuisine. Donc voilà, si vous voulez faire des bons gâteaux, eh ben, il va falloir aller sur le... Pourquoi placement de produit? C'est un peu placement de produit là, c'est un... Placement. C'est sponsorisé quoi. Oui, bah je vais, j'en parle et en échange je le mange. Ouais, c'est ça va, c'est un bon, ouais, c'est un bon compromis. Ça marche, ouais, ouais. Hein? Ah, Jérôme, tu l'as filmé? C'est la place au grand. Oui. Ouais. Et voilà. C'est quoi d'ailleurs? C'est un moelleux. C'est un moelleux au kaki. Un moelleux au kaki. Et la vidéo sera en ligne, je sais pas quand. Il sait pas non plus. D'ici 15 jours. D'ici 15 jours. Donc, je vous mets quand même le lien de la chaîne en partie plus d'informations. Et puis, je vais le manger et puis je vais vous dire s'il est bon avant que vous ayez voir la vidéo. Au 14, ça fait un moment qu'on est rentré hein. Donc pour le gâteau il était très bon, donc après voilà, c'était au kaki et avec un petit peu d'orange, il était très très bon. T'as aimé toi? C'est que difficile. Moi pas trop, j'ai pas trop aimé le kaki en fait. Ouais, mais après voilà, vous êtes pas obligé de mettre du kaki hein, ça se mange hein, mais j'ai pas trouvé ça non plus. Moi j'ai trouvé ça bon, ça change. Voilà, donc là comme je vous le disais, il est 19h15, donc on va aller préparer à manger. Ce soir on mange des hamburgers maison.
Très simple chez nous parce que les enfants n'aiment pas, alors la plupart n'aiment pas la salade cuite, enfin chaude, ou la salade. D'autres n'aiment pas les tomates cuites, donc chez nous c'est très simple. C'est le pain burger, le steak haché, le ketchup, les petites tranches de machin à fromage à burger. Nous on met de la salade, mais eux non. Et puis c'est tout. Et puis ça va être bien bon. Et je pense que pendant que mes steaks, tout ça cuit, je vais faire la préparation pour cookies. Comme ça, je vais mettre les petits cookies au four, c'est pas très long. Et puis comme ça, ils en auront pour la semaine. Donc qu'est-ce que vous voulez venir avec moi? On va tester ça ensemble. Ça vous dit? Ça permettra d'alimenter un petit peu le vlog qui fait... là, j'ai commencé à le monter il y a 10 minutes. Ça change de d'habitude où je mets 25 minutes, 30 minutes, je raconte ma life. Voilà. Mais voilà, il y a des jours comme ça où... aujourd'hui, on a pas mal bossé sur les PC. Hein. Moi, j'ai monté combien de vidéos? Une, deux... Là, je suis en train de faire la troisième et faut que j'en monte une, faut que j'avance sur mes calendriers de l'avant encore ce soir. C'est pas fini. J'ai une idée de tuto en tête pour. Attendez, je regarde parce que du coup, moi, je suis perdue dans les dates. Hein. Cette semaine, j'aurai pas le temps de le poster cette semaine. Il y a une vidéo de programmée mercredi. Donc pour demain, qui sera pas du tout une vidéo créative. Je vous le dis, c'est une vidéo en famille. Mais ça change. Hein. Écoutez, c'est Noël. Hein. Comme je vous ai dit, il y aura un petit peu de contenu différent. Donc, le prochain tuto, ça sera pour le 20. Ouais bah si, c'est pas mal quand même. Je sais pas trop. On m'a demandé des idées cadeaux de dernière minute pour Noël. Alors écoutez, je pense que je sais pas si je vais faire ça ou autre chose. Le tuto que je voulais faire là, c'est un tuto que je voulais faire déjà depuis un petit moment, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Et je sais même pas si je vais y arriver, pour vous dire vrai. Donc après c'est un tuto qu'on pourra refaire tout au long de l'hiver. Donc c'est pas très grave si je le sors pas maintenant. Donc je vais essayer de trouver des idées. Je vais essayer de trouver des idées à faire pour les cadeaux de Noël et puis je verrai bien. Au pire des cas, je me demandais si ça vous dirait. Alors vous allez me dire un commentaire. Est-ce que vous voulez pour la semaine prochaine que je vous fasse une vidéo sur des idées de cadeaux faciles, enfin rapides et faciles à faire à petit budget, à petits cadeaux de dernière minute? En DIY, choses comme ça. Ou est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo de comment envelopper vos cadeaux de Noël? Oui, parce que envelopper des boîtes, c'est bien facile. Mais envelopper un truc qui n'est pas dans une boîte, ce qui va être mon cas, c'est pas forcément simple. Donc, je me suis dit que peut-être, ça vous dirait d'avoir une vidéo sur comment envelopper les cadeaux, comment faire des jolis cadeaux, voilà, qui changent un petit peu de l'ordinaire, des petites bricoles, hein, pas des trucs forcément sortis de, voilà. Mais peut-être que ça vous donnera des idées pour vous, voilà. À savoir que si je poste cette vidéo, ça sera plutôt pour le lundi, parce que Noël c'est quand même dimanche. Non, lundi d'après. Oui, je le posterai pas trop tard non plus, de sorte à ce que vous ayez quand même le temps d'emballer vos cadeaux. Parce que si je vous fais ça la veille de Noël, il n'y a aucun intérêt. Voilà. Voilà. Donc dites-moi si ça vous dit ça pour l'emballage des cadeaux. Et puis voilà, comme ça, ça sera une petite vidéo bonus de la semaine du 20. Bonus, oui. Ça te pose un problème que je dis bonus? C'est bonus, non? Oui, c'est bonus, et moi je dis bonus. C'est comme je dis un Père Noël, je dis pas un Père Noël. C'est comme okay. Je dis Halloween, je dis pas Halloween. Tu fais comme tu veux. Voilà, je dis qu'est-ce que je veux quand je veux. D'accord? Tout à fait. Exactement. Vous êtes pas d'accord avec moi? Vous m'avez compris quand même quand je vous dis une vidéo bonus. Hein? Donc dites-moi ça en commentaire. Est-ce que la petite vidéo bonus, pour appeler Raphaël, sur l'emballage des cadeaux de Noël vous intéresse? Dites-le-moi et puis j'essaierai de faire quelque chose d'assez sympa. Voilà. Bon, bah c'était tout. On va aller faire les cookies. Voilà, c'est parti. Je suis obligée de me baisser. Je vous ai mis devant mon joli sapinou pour faire les petits cookies faits maison. Donc c'est les cookies aux Smarties. Donc c'est un petit pot de préparation toute faite qu'on a eu au marché de Noël. Donc il fallait 125 g de beurre que nous avons à l'intérieur. Et j'en avais un œuf. Et la préparation. Alors on va ouvrir ça. Je ne sais pas si ça s'ouvre bien. Et ben donc, si c'est bon, on arrache tout. C'est pour la coller ça. On est des fifous. Ah non, touche pas. Okay. En fait, faut tout mettre. Mode d'emploi, ajouter 125 g de beurre, un œuf et mélanger. Former une petite boule à faire cuire 15 minutes à 180 degrés sur du papier sulfurisé. Donc, on a le beurre. On va venir. Si j'y arrive. Tu veux pas? Attends, mais si moi j'y arrive pas, comment je vais y arriver?
Peut-être qu'il a des muscles. Il a des muscles quand on... Punaise, ils ont fermé ça avec quoi? Bah avec les mains. Avec les mains, maman. Ma vidéo n'est pas très crédible. Papa, viens m'aider. Je non, j'ai pas envie. Allez, c'est au pied. Fais-nous voir comme tu es un homme fort. Regardez. Allez, tu pousses même pas. Regarde comment c'est gonflé. Ah bah il faut défaire. Ça va me péter la gueule. Ah je sais pas. On peut prendre un couteau et ouvrir. Mais non, c'est impossible. Ah mais là c'est gonflé en plus, donc c'est à dire qu'il y a de la pression. Oh. De toute façon c'est que du sec dedans, hein. Tu risques pas de... Ah ça y est. Donc dedans il y a les Smarties, d'ailleurs je vais en manger un pour la route. Mais moi. Non, c'est moi, c'est moi. Le sucre, c'est quoi ça, Cassie? Des pépites de chocolat. Et la farine. Oh là. Voilà, non, hop là. Très mélangé. On pourra mettre le... Non, je vais le d'abord. Alors, vieille recette, enfin vieille technique de mamie, mais moi je sens toujours mes œufs avant de le mettre. Toujours, toujours. Donc, on met l'œuf, on le sent. Et s'il ne sent rien, c'est qu'il est bon. S'il pue, de toute façon vous allez sentir s'il est plus bon. Mais je fais toujours ça parce que ma maman a failli avoir une intoxication alimentaire quand elle était petite. Ouais. Alors là par contre le beurre, bah, ça va, c'est que je l'avais sorti déjà. Pour qu'il soit mou, en fait là va falloir en pétrir avec nos doigts. Ah moi je vais le faire. Attends d'abord j'essaie de tout mélanger. Il faut qu'on aille se laver les mains. Moi je vais. Bah je vais le faire hein, parce que en plus que j'ai joué alors. Alors je vais tout mélanger pour faire une pâte et puis bah, je vous retrouve après. Hein. Mademoiselle Malax et Timmy fera des petites boules. Petites bouboules. On a tous fait quelque chose. Je vais en faire plusieurs maman ou une seule mais grosse. Non bah tu vas pas faire un méga cookie. Ah, gourmand, toi. Ah ouais, un méga cookie, on coupe en plusieurs. Non, faut que chacun ait la petite part. C'est, tu penses que c'est bien mélangé tout là? C'est bon? Bah pas trop, parce que tout à l'heure j'en ai fait encore un peu faire le fond. Mets pas tes cheveux dedans, hein. Jamais ça. Et voilà, c'est au tour de Timmy. Bah elle est grosse ta boule bidou. Non, plus petit, hein. Il va être énorme ton cookie là. Allez, tu fais un rond. Un petit rond. Ils disent quoi sur... Ouais, et tu la poses. Je sais pas si ça va s'aplatir après ou si c'est à nous d'aplatir. Ah bah fais les boules et puis on les aplatira après. Bah faut qu'ils fassent la même taille tes cookies. Bon c'est pas très grave, il y aura des gros, des petits. Écoutez. Hein. Bah, même trop petits, oui. Et moi, je vais les aplatir. Ah, ils vont être bons. Sans pas le dire. Après, ils vont être un peu plus gros. Mais vraiment, un muscle. Bon, on vous laisse faire ça. On vous reprend après. Les cookies sont prêts. On n'a plus qu'à faire tourner la machine. Et en attendant, eh ben, on va finir de cuisiner. Parce que faut qu'on mange. T'es nul. Petit Papa Noël. Petit Papa Noël. Oui. Petit Papa Noël. Petit Papa Noël en version Star Wars. On attend que nos cookies cuits. Je suis pas allée voir parce que c'est cool. Oh, bah là, te brûle pas. Hein. Très bien que maman regarde. Touche le dessus si c'est dur ou pas. Je crois qu'ils sont prêts. Ah bon? Je crois. Bah, il paraît que les cookies sont prêts. On va les laisser refroidir. Ouais. Tim. Eh bien écoutez, les cookies sont prêts.
Par contre, ils sont encore très chauds. Les petits veulent y goûter, mais moi, je vous ai brûlé la langue. Moi, je veux enlever les plus petits. Moi, tiens. Non, non, les petits, là. Vous venez de manger. Soufflez, hein. Moi, je vais en prendre un petit aussi, à la vôtre. Ah, il a soufflé sur vous. C'est pas chaud, hein. Mmh. J'ai peur de me toucher. Si, ils sont bons, hein. C'est chaud. Ça brûle un peu. Mais... Non, c'est pas du tout chaud, moi, je trouve. Nul, j'ai pas ça va être meilleur froid. Mais... Quoi? Nul, il n'y a pas de, de smarties dedans. Non, mais il faut quoi? Franchement, ils sont bons. Donc, une bonne idée cadeau de Noël. J'ai la tête très claire. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai les miens. Mais de faire des préparations pour cookies. Voilà. C'est très simple à faire. Je pense pas que je vais vous faire un tuto là-dessus. Mettez. Voilà. Vous regardez la recette d'un cookie. Et tous les ingrédients sauf le beurre et les œufs, ben vous le mettez. Oh, Timéo, bouge pas, la caméra elle va tomber. Attendez, je vous remets. Je vous remets sur trois pattes. Tous les ingrédients sauf le beurre et le lait, vous les mettez dans un bocal en commençant par la farine. Le chocolat, le sucre et les Smarties. Et après, bah, vous offrez avec la petite étiquette. Tu vas t'en rajouter du lait ? Non, j'ai dit du lait ? Bah oui. J'ai dit du beurre et du lait. Non, le beurre et les œufs. Voilà, en gros, tous les ingrédients secs de votre recette à gâteau, donc notamment là des cookies, vous la mettez dans votre récipient. Et ce qu'il faudra rajouter en éléments non secs, et bah, vous rajoutez sur la petite étiquette en disant voilà, il faut rajouter ça, faire cuire tant de temps. Et c'est super cool. Et je pense que moi, j'ai des bocaux. J'ai des bocaux vides de déco et je sais jamais quoi en faire. Et je pense que je vais faire à l'avance, tu sais, les préparations de cookies à l'avance. Mmh. Comme ça, on aura toujours une préparation sous la main. Et puis quand on voudra les faire, tu vois, ça prend 2 minutes. Ouais, mais par contre, pour ceux-là qui sont dans mon école, on en fait quasiment à tous les marchés de Noël. Ah ouais, on vous avait attendu ça. Donc écoutez, on va finir nos cookies et puis on va aller se coucher. Voilà, donc je vais peut-être vous prendre là-haut avec monsieur. Ce serait une bonne idée quand même. Donc, je vous reprends. Tout de suite. Bon, eh bien, ces petits cookies, ma foi, étaient bien bons. Mais on les dégustera demain matin avec du bon lait chaud. Si mes enfants pensent à m'en laisser. J'ai retrouvé Mister Raph. T'es fatigué, mon chat? Non. Ah, t'es en train de mettre en ligne ta vidéo. Oui, et puis j'attends que ça soit fait pour pouvoir éteindre mon PC, pour pouvoir libérer une prise de courant, pour pouvoir brancher ma Xbox. Et voilà. Donc voilà, la vidéo gameplay sur Assassin's Creed Origin, depuis le temps qu'il l'a, elle est enfin en ligne à l'heure où vous verrez ce vlog, puisque là il est en train de charger une semaine. Donc comme d'hab, hein, voilà, le petit lien se trouvera par là. Et puis bah, c'est tout pour aujourd'hui, une grosse journée quand même. Hein. Enfin, moi j'ai fait pas mal d'ordinateurs, hein, ça m'a cassé la tête. J'aurais aimé faire plus de choses. Mais bon, on ne choisit pas toujours. Demain, c'est la reprise du boulot. Moi, je vous reprendrai que mardi matin pour un vlog que vous verrez jeudi ou vendredi. Mais dans 15 jours, c'est les vacances. Oui, bah pas pour toi, lui, il est en vacances. On vloguera plus pendant les vacances parce que bah, les petits seront là. Donc c'est vrai que les jours où je serai en repos, en tout cas, ça sera un peu plus animé à la maison. On fera des petites activités avant Noël, des petits gâteaux et tout et tout. Donc ça va être plutôt cool. Hein. Hein, j'ai essayé de faire des activités avec eux avant Noël. Je pense beaucoup de recettes. On fera le plus parce que les décos, bon bah on a un petit peu dedans là. Je vous ai pas fait voir ce que ma fille m'a fait. Elle m'a fait ça au centre aéré. Regardez-moi ça. C'est beau comme tout, hein. Bon, les ailes, je lui dis pourquoi elles sont pas de la même couleur. Elle me dit bah j'ai pas envie. Bon, ça fait un peu bizarre. Mais elle m'a fait un petit cœur avec des bouchons de liège et sur un fond de papier un peu couleur. Je sais pas. Pas marron. En fait, de loin on dirait pas marron, mais de près on dirait que c'est marbre. Elle a déjà une âme d'artiste, cette petite, n'est-ce pas? Donc j'étais très très contente. Voilà, donc vous me voyez plus. Donc voilà, c'est tout pour cette journée. On espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie comme d'habitude. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, likez quand même, même si vous n'aimez pas. Ça fait une chose de dire. Ça, en fait, c'est le but, c'est tu likes, quoi qu'il arrive. On s'entend bipper encore, en bas. Je sais pas ce que c'est. Mais on entend un bip, on voit, ouais. C'est pas chez les voisins. Ils ont, ça se trouve, ils ont un sèche-linge derrière la cloison, là, derrière le mur. Une machine à laver, je sais comme pas. Ça. C'est on entend un bip régulièrement chez nous, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est pas un bip, genre comme la montre d'Enzo qui, quand elle se met à sonner, fait bip, 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 bip.
bip. Là non, c'est bip. Puis des fois ça s'arrête longtemps, puis on entend bip. Je ne sais pas. On en a plus pour très longtemps ici, j'espère. Oh non, je reste pas un an de plus là, moi, c'est mort. Non pas que la maison ne me plaît pas, mais les voisins, voilà, c'est autre chose. Voilà, on peut pas tout avoir. Quoique la maison ne me plaît pas forcément. Oui, elle est trop petite. On a toutes les pièces qu'il nous faut, mais ce sont que des petites pièces. C'était du provisoire. Ouais, c'était du provisoire, mais qui dure quand même depuis presque 5 ans. Provisoire, il est peut-être temps que ça change et on va s'y mettre dès l'année prochaine. On va chercher quelque chose de mignon. Voilà. Ouais, je suis encore ouais, encore le moi aussi. Bon, faut pas que ça nous perturbe. Bon, sur ce, on vous fait tout plein de bisous. Et on vous dit... à très vite dans un nouveau vlog. Ciao. Ciao.